Un autre message écrit par notre homme, probablement pendant qu'il était enfermé ici. Je vais vous conter l'histoire de ce... Oh putain. Allez papy, vas-y. En fait, les galeries souterraines existaient déjà avant que je m'installe ici. Je n'ai jamais vraiment su à quoi elles servaient, probablement pour trouver du charbon ou quelconque métaux précieux. Je suis un marchand, et maintenant que je vais probablement bientôt mourir, je peux le dire, histoire au moins d'expier mes fautes. J'ai profité de cette sale guerre pour monter toutes sortes de combines et d'arrangements. Au début, c'était seulement une ou deux magouilles pour réunir suffisamment d'argent et se tirer loin de ce pays dont l'avenir me faisait peur. Et au point où on en est maintenant en 1917, on peut dire que j'avais plutôt raison. Mais j'ai été agréablement surpris de voir les sommes que j'arrivais à amasser facilement de cette manière. Alors, de fil en aiguille, c'est la pas du gain qui s'est finalement montré le plus fort. Donc, je suis resté et j'ai continué. Et ben, moi qui commençais à le trouver sympathique... Ça faisait un moment que je pensais à planquer mes documents embarrassants et mon précieux butin dans les galeries souterraines de ce puits, par peur qu'un contrôle de police ou un cambriolage puisse révéler le tout maladroitement dissimulé dans ma maison. Avec la récente révolution des bolcheviks, je me suis décidé, on ne sait jamais s'ils peuvent arriver jusqu'ici ou contaminer notre pays. J'ai d'abord utilisé une solide grille en fer pour hisser tout ça jusqu'en bas, mais je voyais mon voisin qui m'épiait et qui commençait à se demander ce que je faisais. Pour les documents passe encore, mais hors de question que je laisse mon butin exposé à l'air libre à la vue de ce fouinard. J'ai donc fabriqué cette caisse pour recouvrir le tout. Et ensuite, en plus, ça aurait permis à la caisse de flotter en cas de bras d'accident comme celui-ci. Le problème est que les rondelles pour attacher les crochets étaient moins solides. Sur ma grille, il y avait déjà des rondelles en fer, mais j'ai voulu construire cette caisse autour, de manière à ce qu'elle enveloppe complètement la grille et qu'elle fasse elle-même office de plateforme. C'est bête, j'ai pourtant hésité à monter les rondelles en fer dessus. Et à la place, je les ai taillées dans le bois. Et voilà que les rondelles en bois ont pété. Vous y croyez-vous ? Du chêne massif. Si j'arrivais à détruire la caisse, je pourrais utiliser les rondelles de la grille en fer pour remonter, en y attachant ces crochets qui pendent depuis le haut du puits. Encore faut-il que je trouve un outil adéquat. Est-ce que j'ai pour le moment un seau, un briquet, ces étagères en bois, pas de quoi emmener large. Mais les tuyaux des pièces précédentes, je ne pourrais pas les arracher pour m'en servir. Peut-être avec le seau, en persistant, il est en fer après tout. Ou avec un des os de notre ami. Oh, Adrien, on a récupéré un fémur. Bon. J'ai ce qu'il me faut, je peux repartir. Retournons inspecter cette caisse en dessous du puits. Un autre. Pardon. Je n'ai plus toute ma tête et ma mémoire assistante. Je continue d'écrire pour essayer de garder les idées claires, pour m'occuper et peut-être pour les visiteurs qui pourraient venir me sauver. Ouf. Si jamais je ne suis plus conscient. J'ai également envoyé ces messages attachés à des rats. Peut-être qu'ils pourront se hisser à l'extérieur et qu'il y a une infime chance qu'ils soient trouvés par quelqu'un ou que je sois secouru. Alors j'ai réussi à choper ces bestioles par ici dans les coins. Et j'ai fermement attaché ces petits bouts de papier sur leur poitrine avec de la ficelle. Peut-être que la ficelle s'est dénouée au bout de quelques minutes alors que je les ai laissés filer par-dessous la trappe. Qui sait ? Juste de la paperasse, dans des boîtes, des étuis en carton, des comptes, des contrats, des dossiers, quelques photos. Rien de valeur. Ok, bon, on a un plan. On sait quoi faire, on est motivé. On est chaud. On va sauvegarder. Cette incroyable progression. Alors, je dois escalader cette paroi pour atteindre l'échelle.
C'est faisable. Bon. La caisse en question est la plateforme qui fait ce bruit sinistre dans la salle principale inondée. J'ai ce plan pour m'aider à retourner là-bas. Allons-y. Ok, alors du coup, le truc est comme ça, qu'on va passer là. Ensuite, on est passé par le truc du bas. Donc ça, c'est le bas. Donc on va là. Ensuite, on est de ce côté-là. On fait ça. Ensuite, on est passé comme ça, donc on fait ça. Ça. Et puis ça. Merde. Voilà. Nice. Bon, maintenant. Alors. C'est donc là-dedans que se cache le magot. C'est sûrement son précieux contenu qui fait ce bruit sinistre depuis le début. Il paraît qu'il y a un trou en dessous de la plateforme à travers lequel je pourrais passer la tête. Allons jeter un œil. En avant! J'aime beaucoup l'ambiance de jeu pour le moment. L'écriture est vraiment cool. Je suis bien mis dedans. Comme dans la caisse. Ah, oh, bien sûr que la tête. Comment la tête a réussi à rentrer dedans? S'est fait aspirer par le trou? Des lingots. Il semble y en avoir une dizaine. Une tête tranchée. Qu'est-ce que. Elle semble fraîche, se pourrait-il que ce soit celle de l'individu que j'ai décapité tout à l'heure. C'est vraiment celle de ta sœur. Donc ce qui faisait ce bruit, qui m'a servi à me repérer dans ces couloirs tout du long. En tombant dans le puits, la tête avait roulé dans ce bassin. Puis aurait trouvé son chemin jusqu'au trou de cette caisse, pour ainsi finir à l'intérieur. Puisque je pouvais à peine distinguer sa silhouette vu mon état lorsqu'on était devant cette chaumière, je vais enfin pouvoir discerner son visage. Élise! Quatorze mois plus tôt. Juillet 1943. Même la tête tranchée, elle nous a aidés. Message de la Crescomandantur. La France procède depuis maintenant 2 ans à l'enlèvement et à la refonte de statues en bronze et autres métaux en vue d'alimenter la production industrielle. Or, ce lundi, l'entrepôt du 12e arrondissement, où étaient stockés les objets, a été lâchement pillé par des ennemis de la France. Quiconque aidera à identifier les terroristes qui ont commis ces vils actes de banditisme recevra la récompense de 700 francs. Des vols de statues? C'est mes voisins. Je vais en transporter dans l'arrière-cour. Élise, elle est bien gentille de me dire de soutenir la résistance, mais moi je crève la dalle. La dernière fois que j'ai vu de la viande, c'était il y a 3 semaines. Et eux, qu'est-ce qu'ils en font de ces statues pour l'instant? Pas sûr qu'un quelconque groupe de résistance en voit la couleur. Je veux bien être naïf, mais il y a des limites. Monsieur Hadrian Hesno, c'est à vous. Excusez-moi, je me suis trompé, je dois partir. Vartzi! Pourquoi vouloir partir comme ça? Entrez dans le bureau, maintenant. Monsieur
Monsieur Snow, personne n'habite à l'adresse que vous nous avez indiquée. Et nous n'y avons trouvé aucune trace d'activité suspecte. Mais pourtant... En fait, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas trouvé de suspects. À part vous, bien sûr. Attendez, j'ai rien à voir là-dedans. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Un an plus tard. Ça y est, ça a enfin fini de torturer ce pauvre gars. Ça fait 3 heures que ça dure. En fait, ça fait 1 an qu'il s'acharne sur lui. Des coups de marteau sur les testicules et j'en passe. Quoi? Mais quelle bande de malades! J'ai essayé parfois de lui parler, mais je crois qu'il a complètement perdu la boule. Qui est-ce? Il m'a dit qu'il s'appelait Adrien. Il est incapable de me dire ce qu'il a fait pour être ici et il dit qu'il s'en souvient plus. En même temps, à sa place, j'aurais plus toute ma tête non plus. Faut que je sorte d'ici. Courage. Pareil que les alliés sont pas loin. Lui. Elise. Elle est avec eux? Non, elle aussi vient pour me lâcher. Ah, te voilà. N'approchez pas. Tu as l'air plutôt mal en point. Bouge pas, je vais m'occuper de toi. Hé, calme-toi. Ma vue se brouille, je vais m'évanouir. Il faut que je... Ah, Elise. Escapade, un jeu réalisé par Sridhar. Histoire, mise en scène et dialogue, sprites et animation, dessin, papier et colorisation, personnalisation des décors, programmation. Sridhar passe des décors personnalisés, Théodore, celui que donner autre. Jauge de vie dans la phase à moto, trotteur, sur une base de Sridhar. Musique, Steve et l'effet, Michael Giacchino, Jim Hages, Vegar, Mark Gerson, Azakurani, Beta Tester, plein de gens. Oh, bon sang. Félicitations pour avoir fini le jeu et merci d'avoir joué. Ce fut un plaisir, mon ami, un plaisir. Ceci est la fin d'Escapade qui avait été fait en octobre 2011 jusqu'à mars 2012, puis une version numéro 2 de novembre à décembre 2014, et plus récemment encore cette année, une version numéro 3. Si je me trompe pas, je ne sais plus exactement. Enfin, je sais pour ce qui est marqué là, mais je ne sais plus quelle était la version 1, la version 2, la version 3, voilà. C'était mon histoire. En lisant ces pages aujourd'hui, vous devez en déduire que j'ai probablement survécu. Malheureusement, c'est peu probable. J'écris ces lignes au fond de ce puits. J'ai pu briser le bois de la caisse avec le fémur. Mais en tirant sur une des chaînes, cela a fait s'écrouler la structure en bois qui surplombait le puits là-haut.
des morceaux de poutre sont tombés en rack et ont fini par me rejoindre au fond. Je crois bien que c'est foutu. J'ai essayé pas mal de choses, mais rien à faire. Alors, j'écris. J'ai pu me fabriquer une sorte de lance-pierre, alors je pense qu'une fois ma lettre terminée, je tenterai de la propulser là-haut. On verra bien. Et voilà. Et voilà. C'était Escapade, et il porte bien son nom. Ce jour a été une petite escapade, j'aurais réussi à parler, fort attrayante. Du moins, perso, je me suis senti bien investi dans cette ambiance, et relativement vite en plus. C'était vraiment, vraiment cool pour ça, au niveau de l'ambiance globale de l'écriture. Donc, on a vu qu'il y avait marqué Suikoden dans les crédits et tous les noms des compositeurs à la chaîne, donc j'imagine que les musiques et certains graphes ne sont pas forcément originaux à ce titre, même si la grande majorité a l'air d'être fait par la Miss Riden. Donc ça fait quand même bien plaisir d'avoir à la fois du traitement fait par un mec qui avait juste envie de faire de son escapade d'une quarantaine de minutes. Je sais pas depuis combien de temps je joue, pour être honnête. C'est-à-dire que je prends un peu mon temps et que je suis pas la personne qui lit le plus rapidement au monde. En tout cas, ouais, c'était vachement cool, une bonne ambiance, une bonne écriture, mine de rien. Enfin, perso, en tout cas, j'ai bien été touché par cette écriture. Et Elise est morte. Elise, il fallait... Juste un conseil pour Elise, je sais que c'est un petit peu tard pour toi, mais... Ton frère est fou. Ton frère est fou, tu ne savais pas, donc tu l'as payé, c'est dommage, mais... Il fallait pas l'attaquer avec la barre en fer, hein. Même si t'as mis un pain, tu t'éloignes, tu fais « Bon, bah ok, je vais te laisser vivre ta vie. Attaquer avec la barre en fer, on pourrait dire que c'est la folie du frangin qui fait croire qu'elle nous a attaqué alors qu'elle nous a pas attaqué, mais je suis désolé, le casier était ouvert, sinon on n'aurait jamais eu la faux, donc elle a forcément attaqué au moins le casier. Elise ? C'était pas forcément la bonne réaction à avoir, Elise. Mais bon, je ne vais pas te juger. Ton frère était taré, brisé par tout ce qui s'est passé, hein, bien entendu. Il n'était pas taré à la base, du moins je ne pense pas, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Adrien, dis de nous si tu as encore de quoi écrire 2-3 messages. Attendant, j'espère que cette aventure vous a plu. On se retrouvera pour d'autres épisodes, d'autres jeux. Je ne sais pas encore quoi, qui sait. Je suis bien heureux d'avoir pu enfin tourner quelque chose aussi, malgré les quelques toussotements et autres. J'espère que ça ne vous a en rien gâché cette expérience phénoménale. D'ici que l'on se retrouve, portez-vous bien. À toutes.